Sud. Oui, il s'agit de la victoire du concert, et voici les nommés. Dans la catégorie concert soumise au vote du public, les nommés sont Hervé, Hypertour, production, romance musique. Ben Mazué, Paradis, production, Furax. Woodkid, production, Junzi Arts. Quel est le nom du lauréat ? Il s'agit de la dernière victoire de la musique décernée ce soir. La victoire du concert est attribuée à Paradis de Ben Mazué, une production Furax. C'est la toute première victoire de la musique pour Ben Mazué. Son Paradis Tour est récompensé ce soir. Un spectacle de conteur à mi-chemin entre le stand-up et le concert. Poétique, comme Ben Mazué, qui nous l'a prouvé ce soir, mise en scène par Christophe Gendreau et dirigé par Robin Note. Ben Mazué qui salue chaleureusement toutes ses équipes. Venez nous rejoindre pour qu'on puisse vous remettre. Et qui chemine entre rire et larmes, entre musique et poésie, entre jazz, slam et pop. Ben Mazué remporte sa première victoire de la musique. Alors on a deux trophées en fait pour cette victoire du concert. Vous en avez deux. La première est pour vous. Et vous choisirez avec qui partager la seconde. Mais oui, j'imagine. Vous avez un micro, je vous en prie. Alors c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est formidable. Je suis très, très honoré, très heureux, très fier de recevoir ce prix. Surtout à 41 ans, après 15 ans de route et 4 albums. C'est peu de dire que c'était inespéré. Je voudrais commencer par remercier mes enfants et leur mère. Leur dire que pour vous, c'est pas facile, mais sans vous, c'est impossible. Aussi, remercier ma famille au sens plus large. Je vais pas vous citer tous les gens qui font que je suis là devant vous ce soir, mais je partirai pas, je quitterai pas ce pupitre sans vous dire ce pour qui vous avez voté, ceux qui ont fait ce spectacle, à savoir Fabien Aubert au son, Philippe Littlejohn à la lumière, Gauthier Daignelou et Jules Roux à la régie, Christophe Gendreau à la mise en scène, Clément Simonet à la guitare, au chant, à la percussion, Robin Note à la direction musicale, Anthony Devin et Pierre-Pascal Audebine pour Furax, mes producteurs, mon label Columbia et les plus importants, les derniers, Fabrice Martinez et Nicolas Voskobonikov qui me suivent depuis le début. Et enfin, avant qu'on se dise au revoir, je voudrais déjà aussi vous féliciter tous d'avoir tenu jusqu'à maintenant. Et puis, voilà. J'aurais une petite pensée aussi pour ce jeune étudiant dans sa chambre de garde de gynécologie à l'hôpital de Longjumeau qui se demande si c'est possible, qui se demande s'il va avoir le courage, qui se demande si ça va le faire, de finir ses études, de rembourser son emprunt et d'aller au bout de ce rêve. Bah, ce jeune homme, j'ai envie de dire, regarde. Regarde. Voilà. Merci. Je précise que la deuxième victoire est bien sûr pour Furax, c'est pour votre producteur Ben Mazué. Bravo, vous en prie. Félicitations. Et c'est avec cette ultime victoire que les 37e victoires de la musique s'achèvent et referment leurs portes ce soir. Merci du fond du cœur à l'association des victoires de la musique Jean-Yves de Linares, Virginie Petit et Octavie de Tournemire. Merci à Franck Sora et à toute l'équipe de Carson Prod. Un grand merci également au réalisateur Franck Broca, au directeur photo Frédéric Dorieux, à Olivier Ilouz pour ces décors incroyables. Et merci également à Alexandra Redamiel de France Télévisions et à toutes ses équipes. Merci également aux musiciens des Victoires de la Musique dirigés par l'excellentissime Stéphane Gobert. Merci aux techniciens de France Télévisions qui ont fait un magnifique travail ce soir et en direct. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bonne fin de soirée sur France 2.
Le Crédit Mutuel, parrain depuis 20 ans de toutes les musiques, tous les talents, donne-le là, aux Victoires de la Musique. Tout de suite, Thomas Dutronc diffuse ses notes manouches en live dans Basique le Concert. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Barbara Pravi. L'année dernière, vous avez choisi Barbara Pravi pour représenter la France au concours de l'Eurovision. C'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà dans... Avec son titre « Voilà », la fille aux yeux noirs entrait dans l'histoire en décrochant la deuxième place. Cette année, qui portera les couleurs tricolores dans la plus grande compétition musicale au monde ? Eurovision France, c'est vous qui décidez. Présenté par Laurence Boccolini et Stéphane Bern, bientôt sur France 2. Inédit, vendredi prochain. Geste rapide et précis. On signale un crime, mais la capitaine fait du cinéma avec l'enfant du pays. Je t'accompagne pour mon personnage. N'y pense même pas. Allez, salut. En fait, il est pas mal du tout, Antoine, dans son film. Ça te gênait pas quand vous étiez ensemble qu'il soit célèbre ? Ça va, c'est pas Depardieu non plus, hein. Dîner sushi. T'as invité ton ex ? Non, c'est pas comme ça. Non, enlève ta main, ça me crispe. Ou alors, c'est comment de bosser avec Gabi ? Ça va pas être simple tous les jours, hein ? Elle est de retour, son ex aussi. Inédit, le crime lui va si bien, avec Claudia Tagbo. Vendredi prochain à 21h10 sur France 2. Motus. Ce programme est disponible en audio description. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer.